Je veux qu'une femme lève sa main droite. Lève ta main, même si tu as genou, lève ta main. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as aimé le premier. Tu m'as aimé le premier. Tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort à la croix pour moi. Ce soir. Ce soir. C'est une convocation spéciale. C'est une convocation spéciale. Je suis connecté. Je suis connecté. Et je suis disposé. Et je suis disposé. Ce soir. Ce soir. Ne me rate pas. Ne rate pas ma destinée. Ne rate pas ma destinée. Viens dans ma direction. Viens dans ma direction. Dieu des femmes. Dieu des femmes. Fais-le encore bien. Dieu des femmes. Dieu des femmes. Dieu des femmes. Dieu des femmes. Ne me rate pas. Ne me rate pas. Viens dans ma direction. Viens dans ma direction. Et que je sois utile. Et que je sois utile. Pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Pour ma génération. Pour ma génération. Pour ma famille. Pour ma famille. Pour mon entourage. Pour mon entourage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Amen. Amen. Wow. Les femmes acclament pour Jésus. Alléluia. Je veux qu'on lise un texte avec vous et puis on va couler dans tout ce que Dieu a prévu pour nous. Privé, pas public. Genèse 3, le verset 15. Je veux qu'on lise ce texte. Les femmes ont eu peur d'être... Pourquoi les chaises en face de moi sont vides? Vous avez eu peur d'être en face de moi? Ah, c'est pour la chorale. Ok. Genèse 3, le verset 15. Là où je vais m'arrêter, je m'arrêterai parce que je dois beaucoup prier avec vous. Si vous voulez savoir la pensée ou le thème que j'aborde avec vous, ça va nous garder dans l'esprit du thème du mois. La femme et la croissance de l'église. Amen. La femme et la croissance de l'église. Je disais quoi? Tata Lobini, la femme et la croissance de l'église. Amen. On peut lire Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, 15. Merci, le son est bon, il n'y a pas de souci. Merci, technique. Alors, j'aimerais que les femmes lisent rapidement. On peut toutes s'élever. On peut s'élever à Blavi, Adassa que je revois. Adassa, ça va maintenant? Maintenant, ça va? Tu es ressuscité? Mais parce que je te revois, ma fille. Hein? Je suis heureux de te voir et je veux. Je crois que je te verrai toujours à l'église désormais. Genèse 3, le verset 15, nous pouvons lire. Nous connaissons ce passage. J'émettrai quoi? Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je veux qu'on reprenne encore ce texte, surtout la première phrase. Parce que c'est plus ça pour ça que Dieu m'a envoyé. On peut encore lire une de trois. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je voulais même qu'on s'arrête par là. Je mettrai quoi? Inimitié entre toi et la femme. Mais terminons seulement la lecture. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras quoi? Les talons que Dieu nous parle et nous révolutionne. Amen. La femme et la croissance de l'église. Nous sommes pendant le mois de l'église. Et pendant ce mois, suivez-moi très très bien dans ces quelques minutes. Si votre esprit est connecté et votre attention est là, on va aller sur des choses essentielles. Alors, je disais, Maman Béa, dans ce mois de l'église,
Dieu a des objectifs qu'il veut atteindre dans l'église. Ces objectifs touchent aussi les femmes. Je pensais que j'étais parmi les femmes. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour avoir ces moments avec vous. Retenez deux choses d'abord. La femme, c'est la dernière créature de Dieu. Je sais pourquoi je commence par là, suivez-moi. Je disais, la femme, c'est la dernière créature de Dieu. J'ajoute encore, la femme, c'est le dernier élément d'achèvement de la création divine. Amen. Je veux que vous m'écoutiez comme des aigles. Je disais, la femme, c'est la dernière créature de Dieu. Mais la femme aussi, c'est le dernier élément d'achèvement de la création divine. Suivez-moi très bien. Ça veut dire, Ablavi, lorsque Dieu a créé, ministre Mamirit, quand Dieu a créé, je répète la phrase, la femme, c'est le dernier élément d'achèvement de la création divine. Ça veut dire, quand Dieu crée, il crée. À un moment donné, vous savez, Dieu est comme un architecte. Donnez-moi amen. Rassurez-moi que vous me suivez. Amen. Encore. Amen. La dernière fois. Amen. Dieu est comme un architecte. C'est quoi le mystère avec un architecte? L'architecte a la vision de ce qu'il veut réaliser. Deuxièmement, l'architecte est déjà arrivé à la fin avant même le commencement. Amen. C'est fort, tu entends ça? Amen. Un architecte est déjà arrivé à la fin de la construction. Avant même de commencer à construire. Pourquoi? Il a la vision. Il a le rêve. Et lorsque Dieu créait, Dieu était comme un architecte. Il avait déjà tout son chemin. Alors quand Dieu crée, ça c'est moi qui pense, Dieu regarde au loin la création. Dieu se rend compte qu'il y a un dernier élément qui pouvait achever la construction, la création qui a manqué. Et cette chose, c'est quoi? Ce n'est même pas une chose. Mais c'est une personne. C'est un être. C'est la femme. Tu n'as pas compris ça. C'est comme ça. Quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que la dernière chose que Dieu a créée, c'est la femme. L'élément qui a couronné la création, l'élément qui a fait l'achèvement de la création, c'est la femme. Est-ce que vous entendez? Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Et n'oubliez pas, généralement, les choses de la fin sont les choses les plus précieuses. Je m'étais trompé d'auditoire. Je suis en train de dire ceci. Généralement, les choses finales ont toujours été les meilleures choses. C'est pourquoi même la Bible dit, c'est pourquoi les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et même la Bible va plus loin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que je parle aux femmes? Donc quand Dieu crée en finalité la femme, et après ça Dieu ne crée plus, c'était comme pour dire l'élément de l'équilibre vient d'être créé. Alors parce que la femme a été créée, maintenant les choses sérieuses peuvent commencer. Je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je dis même à une femme enseignée, tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es le dernier élément de l'achèvement de la création. Alors je prophétise sur toi, tu vas mériter les meilleures choses sur cette terre. Donne-moi la main d'une femme glorieuse.
J'ai dit, tu vas mériter les meilleures choses sur cette terre. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Suis-moi, je te prépare à la prière. En d'autres termes, ministre Mamie, quand Dieu regarde la création sans la femme, sans la femme, Dieu voit un vide. Amen. Dieu voit réellement qu'il y a un vide. Et ce vide-là doit être rempli et comblé par une femme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même regarde l'homme. Il envoie vers l'homme, vous connaissez l'histoire. Il envoie vers l'homme les animaux et toutes ces choses. L'homme regarde, mais il ne trouve pas la chose qu'il faut. Et Dieu dit, il n'est pas bon. Que l'homme. Écoutez la révélation. Quand on dit, il n'est pas bon que l'homme, ça veut dire aussi il n'est pas bon que l'humanité. On n'est pas là. Amen. Il n'est pas bon que l'humanité manque la femme. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cet amen ne me rassure amen. Pas. Il n'est pas bon que l'humanité manque la femme. Ça veut dire sans la femme, le monde, l'humanité serait déséquilibré. Il y aurait une erreur dans la création sans la femme. Maintenant, remarquez ce que la Bible dit. Apocalypse 12, verset 12. Et puis on prie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es l'élément d'achèvement. Dieu dit non. Les choses finales, je les cache, je vais les révéler. Lisons ce texte qui nous amène à la prière. Et Apocalypse 12, verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qui voit quelque chose? Ibrahim, tu es parmi les femmes? Non, je te dérange juste. Ce n'est pas un problème, tu peux suivre pour ta future épouse. Qui a vu quelque chose? Commençons la lecture. Reviens. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi l'homme. Aidez-moi, il a poursuivi l'homme. J'ai vu les dragons en train de poursuivre l'homme. J'ai vu en vision que les dragons poursuivaient un homme. La Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à qui? À l'homme. Hein? À l'homme. Afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face de qui? Du serpent. 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière qui? La femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 16. Et la terre secourit la femme et la terre ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Les derniers versets, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Les sons, vous commencez à déranger les sons techniques, s'il vous plaît. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Écoutez-moi. Il y a des drames qui arrivent. Le premier drame, Maman Daniela,
Il y a la guerre au ciel entre Michael, Michel et ses anges. Entre Satan et ses anges. Et dans cette guerre-là, suivez-moi, Satan est précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Quand il vient sur la terre, la première chose que Satan fait, il poursuit la femme. Et si vous voyez Genèse chapitre 3 que nous avions lu avec vous, quand Satan est sur la terre, la première personne vers qui il va, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut se poser la question. Pourquoi Satan va que chez la femme, pas chez l'homme? Dans sa colère, quand il est envoyé sur la terre, la personne qu'il poursuit, c'est la femme. C'est tout ce que Dieu m'avait envoyé vous dire ce soir. Maintenant, quand il tente Eve, Eve tombe dans la tentation. Adam aussi est emporté. Dieu vient vers eux. Dieu commence à les punir. Écoutez maintenant dans les punitions de Dieu. Dieu dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Souvent nous ne restons pas sur ça. Nous allons plus loin, entre la postérité de la femme et la postérité de l'homme. Mais est-ce que vous voyez que le premier degré de la guerre, c'est d'abord entre Satan et la femme? Est-ce que vous voyez ces choses? Écoutez-moi, femme. Votre combat a commencé depuis le commencement. Et n'oubliez pas, votre véritable ennemi, c'est Satan. Amen. Est-ce qu'une femme me comprend ce soir? Moi, j'étais venu pour te dire, Roxane, que ton véritable ennemi, c'est le diable. Je l'ai dit autrement. La première cible du diable, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi vous allez voir, de l'homme à la femme, la femme des fois a certaines réalités. Il faut seulement être une femme pour le comprendre. Amen ou pas amen. Amen. Donc il y a certaines choses, vous allez les voir même comment la main de Dieu va délivrer plusieurs femmes. Parce qu'au fait, ça explique. Depuis Genèse, la cible du diable, c'est d'abord la femme. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La cible, j'insiste, du diable, c'est d'abord la femme. Le premier ennemi juré d'une femme, c'est Satan. Quand il descend avec sa colère, il ne poursuit pas l'homme, mais il poursuit la femme. Pourquoi? C'est ça mon problème. Amen ou pas amen. Amen. Regarde un peu ta voisine. Dis-lui, je viens de découvrir mon véritable ennemi. Non, parle. Dis-lui, je viens de découvrir le véritable ennemi. Comme ça, vous allez voir la femme est des fois victime de beaucoup de maux. C'est-à-dire de beaucoup de choses négatives. Des humiliations. Sony. Des déceptions. Des amertumes, des maladies bizarres, des phénomènes compliqués. Elle peut bien commencer la journée pour mal finir. Au fait, il y a un ennemi. Aujourd'hui, tu dois les découvrir. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Maintenant, tu sais pourquoi le diable a attaqué la femme. Parce que le diable sait premièrement que la femme, je venais de le dire, c'est la dernière créature de Dieu. Mais la deuxième chose, le diable sait que la femme, c'est la porteuse de vie. Alléluia. Alléluia. Il sait que la vie doit passer par toi. Mon nom est Amaya.
Je dis, il sait. La vie doit passer par toi. C'est pourquoi même Jésus, le véritable Dieu, a eu besoin d'une femme pour venir sur la terre. Amen. Amen. Il n'y a que la femme qui s'ignore. Amen. C'est pourquoi ce soir, Dieu va donner à une femme la victoire dans beaucoup de combats. Je les décrète et je les déclare par le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi amen et reçois la grâce, je te dis. Oui. Il attaque la femme. À cause de quoi? À cause du fait qu'elle est porteuse de vie. Parce que le diable sait, écoutez-moi, s'il peut anéantir la femme, il n'aura plus de vie. Amen. Reviens au texte. Donne-moi le verset 15. No la brando. Alléluia. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, aucune femme en ce lieu ne sera victime des plans de l'ennemi. Alléluia. Pourquoi il s'amabait à Mbunguna? Alléluia. La Bible dit toujours Apocalypse 12. Un peu vite, mon fils. Un peu 12. Vite. Reviens au verset 12. Vous savez que la femme de Marcelo a accouché. Amen. Alléluia. Regarde comment vous acclamez. Alléluia. Bravo. Alléluia. Même les anges ne sont plus contents. Alléluia. Une femme qui avait déjà dépassé la période d'accoucher, on prie pour elle hier, aujourd'hui, et elle accouche. Voilà comment tu acclames. Mets cette onction à l'aise et que Dieu opère un miracle en ta faveur. Que Dieu délivre une femme ce soir. Que Dieu bénisse une femme ce soir. Amen. Que Dieu préserve les femmes de sanctuaire Amen. De gloire. Et que ta vie ne soit plus la même. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais. La période était déjà passée, maman. Et c'est des choses comme ça. Quand ça passe comme ça, demain le docteur va te dire césarienne. Il a déjà accouché aujourd'hui. Aboti le lot, amen. Le Dieu de moins de 24 amen. Heures de miracle. Amen. Amen. C'est juste pour te dire que quand nous servons Dieu en ces lieux, ce n'est pas du spectacle. C'est l'œuvre de Dieu réellement. Madame Boukaïla, non? J'ai prié pour elle hier ici. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, prie. Parce qu'il faut même que son ventre se dégonfle. Elle a vécu ça hier. Sa robe bougeait comme ça. Elle était venue, c'était plein. Mais après la prière, regarde comment vous acclamez. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Ce que Dieu est capable de faire pour la femme. Le diable veut affliger la femme de beaucoup de problèmes, de beaucoup de maux, de beaucoup de situations. C'est pourquoi beaucoup de femmes pleurent. Pourquoi? Tu es l'ennemi juré de Satan. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 13. Terminons. Oh là là, je dois prier pour vous. 12, 13. Il est écrit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Femme, écoute-moi. Le diable te combat aussi à cause de ce que tu contiens. Tu n'as pas compris. Alléluia. Je répète, le diable te combat à cause de ce que tu as en toi. La chose que tu as en toi, c'est celle qui met l'ennemi mal à l'aise. Le diable sait que ce qui est en toi n'est pas que pour toi, mais ce qui est en toi peut toucher des nations, peut toucher des familles, peut toucher plusieurs aspects. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce soir pour activer tout ce qui a été mis en toi.
Même si tu ne sens plus rien en toi, à cause d'un acte commis, à cause d'un péché commis, Jésus va te pardonner ce soir. Et la chose amen. Va reprendre la vie. Il combat la femme parce qu'il voit ce qui est en elle. C'était quoi qui était dans la femme? Le Messie. Messie, amen. 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 Le Seigneur des Seigneurs. Le roi des rois. Maintenant je t'annonce. Si il n'a pas pu tuer Ève et tuer la sémence dans Ève. Ça voulait dire Naïki depuis Genèse. Dans les combats de la femme au Satan, Satan perdra toujours. Satan a dans le combat de Satan à l'égard de la femme, ça voulait dire Satan échouera toujours. J'ai une bonne nouvelle pour une femme. Même si maintenant que je parle, tu es en train d'être combattu, au moins la vérité, c'est toi qui remporteras cette vie. C'est toi qui vas remporter. Amen. Amen. Tu vas enfanter ta destinée. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen ou pas amen. La femme et la croissance. Moi de l'église. Prenons quatre choses qui vont nous aider et nous prier. Ephésiens 5, le verset 25. La Bible nous donne un lien très étroit entre la femme et l'église. Si je ne vous touche pas ce point, ce n'est pas bon, et puis on prie. La Bible montre un lien très étroit entre la femme et l'église. L'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Et souvent dans les églises ou dans le monde, on décrit les femmes comme un groupe dangereux qui peut détruire l'église. Mais ce n'est pas le cas pour les femmes de sanctuaire de gloire. Amen. Écris trois choses. La femme est un grand atout que l'église puisse avoir. La femme est un grand atout que l'église locale puisse avoir. Deuxième chose, là je vous dicte en rafale et puis on prie. La femme détient la clé de la croissance de l'église. Amen. Je répète. Amen. La femme est un grand atout que l'église puisse avoir. Ça veut dire je te parle à toi. Deuxième chose, la femme détient la clé de la croissance de l'église. Ça veut dire tel que nous sommes là, si vous voulez que cette église croisse, levez-vous et l'église va grandir. Regardez juste votre nombre. Vous voyez que vous êtes déjà plus nombreuses que les hommes. Amen. Quatrième chose, la femme est un grand trésor de l'église. Tu es un grand trésor pour l'église. Un grand atout, un grand trésor. Et tu détiens la clé de la croissance. C'est comme ça, Jésus lui-même, dans son ministère, il a eu besoin des femmes. Amen ou pas amen. L'apôtre Paul lui-même a eu besoin des femmes. Révérend Vicky Dissacha a besoin des femmes aussi. Cette église a besoin des femmes aussi. Tu es d'accord? Envoie à l'hôtel. Amen et on avance. Amen. Luc 8, 1 à 3, Philippiens 4, 3. C'est des passages que vous allez lire à la maison. Luc 8, 1 à 3, Philippiens 4, 3. La Bible montre comment autour de Jésus, il y avait des femmes. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant la parole. Et il y avait des femmes qui l'assistaient de ses biens. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient
de leur bien. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je n'ai pas vu Jésus chasser ces femmes pour dire, je n'ai pas besoin de vous. Je suis 100% Dieu. Je n'ai pas besoin de vous. Jésus a eu besoin de ces femmes. Tiens un peu la main d'une femme. Dis-lui, tu es le trésor de cette église. Dis-lui maintenant, tu as la clé de la croissance de cette église. Si tu connais son nom, si tu lui parles, dis-lui, tu as la clé. Tu as la clé de la croissance. Dis-lui, tu es un atout essentiel pour cette église. Amen. Que cette grâce reste sur vos vies. Amen. Philippiens 4, 3. L'apôtre Paul dit quelque chose. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elle, vous voyez, je te prie de quoi? De les aider. Elle, qui a déjà lu ces passages? Elle, c'est les femmes qui ont combattu pour l'évangile avec qui? Avec moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il reconnaît qu'il y a des femmes qui ont combattu avec lui pour l'évangile. Amen. Amen. J'ai besoin un jour de dire telle femme, mettez-les à part. Elles ont combattu avec moi dans l'évangile. Si l'apôtre Paul, qui a vu Jésus, qui était puissant et rempli, a eu besoin de femmes. Et nous tous. Aide-moi encore bien, regarde un peu ta voisine dans les yeux. Regarde-lui. Nous sommes pendant les mois de l'église. Regarde-la bien dans les yeux. Dis-lui, l'église a besoin de toi. Dis-lui ça. J'ai l'impression que les voix des hommes me manquent. Je sens que tout est léger. Les voix des hommes font qu'il y a un peu l'équipe. Quand on dit, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Hein? Que les ministres rentrent un peu, que j'écoute les voix des hommes. Comment? Regarde encore ta voisine, dis-lui, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Dis-lui encore bien, tu es un trésor pour cette église. Tu es un trésor pour cette dis-lui, église. Dis-lui, tu as la clé de la croissance de cette église. Tu es la clé de la croissance de cette église. Dis-lui maintenant, papa a besoin de toi dans l'église. Papa a besoin de toi dans l'église. Amen. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Jésus a eu besoin des femmes. L'apôtre Paul a eu besoin des femmes. J'ai besoin des femmes dans ta l'église. L'église a besoin des femmes dans l'église. Pour quatre raisons, écris-les. Je te les dicte juste. Cette école vous bénit. Amen. Pour quatre raisons. La première raison. Pourquoi les femmes sont importantes dans la croissance de l'église? Parce que elles sont les mères des vivants. Alléluia. Ça veut dire, quand on voit la femme, on voit l'enfantement. Amen. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. Amen. Je répète. Pourquoi les femmes sont une clé dans la croissance de l'église? Parce que ce sont des mères des vivants. En vérité, quand on voit une femme, on voit l'enfantement. Ça veut dire, on ne peut pas rester à deux, à trois, à quatre. Il y aura ajout. Parce que quand on voit la femme, on voit l'enfantement. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? Amen. Quand on voit la femme, partout où il y a la femme, il y aura une postérité. Amen. Je répète, partout où il y a une femme, il y aura une postérité. Amen. C'est pourquoi les femmes détiennent la clé de la croissance de l'église. Une femme a vécu, nous a démontré ça dans la Bible, n'est-ce pas? Je vous ai parlé d'elle ici, mardi, Jean 4. La femme, Jean 4, écrivait ce verset, Jean 4, 7, 28 à 30. Jean 4, 7, 28 à 30. Jésus prophétise sur la femme. Sa dimension des mères des vivants s'est révélée.
et puis melo na ya ba mama na qui ça ne s'est pas arrivé qu'à la prophétie, ça ne s'est pas arrêté là. Est-ce que quand analyse ça quoi té Maman Claude ça ne s'est pas arrêté là. Est-ce que quand analyse ça quoi té Elle est allée accueillir dans son village. Na mboka na ye. Vous avez vu ça? Amen. Ça c'est le réflexe de toute femme. On les a dit ça veut dire, c'est qu'elle là n'est pas pour elle. À ça na ngosa ya yete. Elle veut que plusieurs entrent dans la même grâce. Alingi ba bingi ba kota na ngolu na ye. Elle est allée dans sa ville. Ake na mboka na ye. Elle a présenté Jésus. A talisi elle a ouvert Yesu. La porte à Jésus. A fongoli elle a dit Yesu. J'ai rencontré Ekuke, un homme. Alobi na kuta ina qui m'a dit o ya ye bisingai. Tout ce que j'ai fait. Nyoso nga na sala. Et la ville a été donné à Jésus. Par qui? Une femme. Amen. Oh mon Dieu. Par qui? Par une femme. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc là où il y a une femme, il y aura une postérité. Amen. C'est pourquoi les femmes ont la clé de la croissance. Alors je prie au nom de Jésus. Alléluia. Que par toi d'autres femmes croient. Alléluia. Que par toi d'autres femmes soient attirées. Amen. Que par toi d'autres femmes croient. Amen. Que par toi d'autres femmes soient attirées. Amen. Parce que la femme croit facilement. Et quand elle a cru, elle peut répandre la croix. Alléluia. Deuxième raison. Si n'est ami balé. Pourquoi? Pour nanini. Les femmes. Basi. Donc si après ici dans ce monde de l'église, y a sans ou y a etonga. Y a pas croissance numérique des femmes. Bokoli samia etonga na basi ezali. Alors vous n'avez pas bien compris les choses. Wana to sosoli makamu. Mais je sais, je crois qu'il y aura croissance. Bokoli samia kozala. Deuxième chose. Y a mi balé. C'est parce que les femmes. Elle croit facilement. Elle croit facilement. Elle croit facilement. À l'onction. De l'homme de Dieu. Amen. Les hommes, des fois, sont dans beaucoup de calculs. Dans Marc 5, Chanel, vous voyez ce qui se passe? Marc 5. Je disais, la deuxième raison, c'est parce que les femmes croient facilement à quoi? À l'onction de l'homme de Dieu. La femme qui avait la maladie du sang, hein? Elle n'a pas attendu de voir Jésus en face. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Elle se disait en elle-même, si seulement. Amen. Je n'ai pas besoin de le voir en face. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose la main. Oh, vous n'avez pas Alléluia. Vu ça. Si seulement, je peux même toucher seulement le pan de sa robe. Parce que pour elle, c'est suffisant. Je recevrai mon miracle. Vous voyez? Et vous savez, il y a quelque chose de très important. C'est que quand vous honorez l'onction de l'homme de Dieu, Marie-Josée, moi très bien, cette onction agit en votre faveur. Amen. Amen. Amen ou pas amen. Avant que je ne parte à Lubumbashi, je voulais sortir du bureau. J'ai vu la femme de leader Marcelo venir. Elle me dit, papa, vous partez à Lubumbashi. Moi, je reste. Je ne sais pas quand je vais accoucher. Je veux que vous priez déjà pour moi. Amen. Ça, c'est la femme. Amen. Pour moi, c'est une femme qui respecte l'onction qui est sur ma vie. Est-ce que vous entendez? Amen. Maintenant, une telle personne, Bongo, je peux programmer pour elle des choses même bizarres. Et l'onction va agir en sa faveur. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher au pan de sa robe. Les femmes croient facilement à l'onction de l'homme de Dieu. Et quand vous croyez à l'onction de l'homme de Dieu, vous mettez l'homme de Dieu à l'aise. Amen ou pas amen. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Elle m'a fait un audio aujourd'hui. Quand j'écoute l'audio, elle est en train de chanter. Elle célèbre les dieux des alliances. Parce que la femme de Marcelo a accouché. Moi, c'est Marcelo a bâti. Ça, des fois, tu peux attendre ça d'un homme, ça ne viendra pas.
Et puis oyé bitene nini pesinga lususu ba ba. Amen. 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 Est-ce que tu entends ça? Alléluia. C'est comme ça, Église. Amen. J'ai dit, oh Seigneur, amen. Jusqu'à ce niveau, qui alors il faut que ce peuple expérimente encore des choses très extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Et plus l'onction opère, mingi, c'est plus que les problèmes trouvent des solutions. Les captifs sont délivrés. Alléluia. Les témoignages coulent en désordre. Et les témoignages vont tellement se répandre que facilement les gens vont faire quoi? Ils vont dire qu'on aille un peu voir. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi comme désert. Alléluia. Amen ou pas amen. Amen. Oui. Là où les hommes réfléchissent deux fois la femme, elle croit dix fois plus. Troisième chose, je reviendrai peut-être un jour sur ça en profondeur comme un enseignement. Les femmes sont des travailleuses fidèles. Basi, bazali, basali, abosembo. Ouais. Pourquoi les femmes ont la clé de la croissance de l'église? Parce que ce sont des travailleuses fidèles. N'oubliez pas ça. La chose qui fait grandir une église aussi, c'est quand elle est composée de personnes loyales. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand tu es dans une église où telle part, telle est partie, telle est partie, telle est partie, on va grandir quand? Est-ce que vous entendez? Mais quand l'église est composée de gens loyaux, facilement, cette église était à 200, elle ira à 300, elle ira à 400, elle ira à 500. Vrai ou faux? Amen. Aidez-moi, vrai ou faux? Vrai. Ouais. Maintenant, vous allez vous rendre compte que dans la manière que Dieu a créé l'homme et la femme, en tout cas, la femme, c'est d'abord le premier être loyal. Alléluia. Amen. Ouais. Tu peux acclamer pour toi-même. Amen. C'est vraiment un être loyal. C'est pourquoi ministre m'a mérité. Lorsque Jésus donne, Karine, j'enseigne, tu peux faire ça plus bien. Il y a des femmes, c'est mal comme tu donnes les papiers là. Elle a tout oublié ce que j'enseigne. Vous auriez dû sortir même 5, 10, 5, 6, 7 listes. Vous déposez juste à chaque rangée une liste. Et puis elle circule calmement. Même toi, tu sais ce que j'ai dit? Tu as tout en tête? Maman Béa, je disais quoi? C'est pourquoi, quand Jésus vient chez la femme samaritaine, il lui pose la question: où est ton mari? La femme lui dit quoi? J'en ai eu 5. Et puis Jésus lui dit: maintenant, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle dit: oui, en ça tu as dit vrai. Tu es un prophète. En fait, Jésus voulait corriger une chose. Jésus voulait dire à cette femme: la femme n'est pas faite pour la légèreté sentimentale. Tu vois? La femme, c'est un être fidèle. Certainement, tes 5 mariages qui ont échoué t'ont amené à te dire: à quoi bon d'être sérieuse? Mais la femme n'est pas faite pour la légèreté. Donne-moi amen et reçois la grâce. Encore amen et reçois la grâce. Amen. Encore amen et reçois la grâce. Amen. Et l'église a besoin des femmes pour sa croissance. Parce que les femmes sont des êtres loyaux. Une femme peut rester à un même poste du travail 30 ans. On lui paye que, je ne sais pas moi, 1000 dollars ou 800. Elle s'est contente de ça. Ça, c'est pas fait pour l'homme. L'homme va dire 800, non, c'est trop. Je vais chercher là-bas 3000, après non, 5000, et puis 15000. Femme, recevez la grâce. Amen. Regarde ta voisine, dis-lui: cette église a besoin de toi. Dis-lui encore bien: cette église a besoin de toi. Dis-lui encore bien: cette église a besoin de toi. Donc les personnes loyales permettent à l'église de grandir. Amen. Parce qu'elles ne vont pas partir. Elles sont là. Et ça, c'est la grâce d'une femme. Amen. Amen. Un jour, ma belle-mère, elle est là, j'ai écouté. Un jour, elle se parlait quelqu'un, je ne sais pas si c'était ma femme ou l'une de ses enfants qui lui disait: mais tu peux encore te remarier. Hé, non, non, hé! La manière qu'elle a réagi.
Donc, il dit non, 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 non. Je n'ai plus ça en tête. Mais un homme à son âge. On ne sait pas. Je n'ai pas une réponse, vous avez la réponse. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Donc elle peut accepter de rester comme ça après tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, c'est comme ça la femme. Amen. C'est pourquoi une femme qui est ici, là-bas, là-bas. Amen. Tu aimes ton chef, tu aimes ton chef. C'est pas femme. Amen. Alléluia. Terminons. Les derniers points pour aujourd'hui. Si vous êtes béni, acclamez. Amen. Alléluia. Tu trouves dans une même université, tu as en G3 une personne. En université, en L est une personne. Avec un assistant. Un CT. Oh. C'est pas une femme. Osalie moi cité, amen. J'ai dit encore tu n'es pas. Osalie moi cité. Je répète tu n'es pas. Osalie moi cité. Tu es un garçon raté. Dernier point. Je reviendrai avec tout ça comme un enseignement profond. Tata kozongi lango lupa maté abozindo penza. Pourquoi les femmes? Pour la nini basi. Ont la clé de la croissance de l'église. Parce que les femmes ou la femme est un véritable partenaire. Véritable pas. Les femmes sont des bonnes aides. Vous avez entendu ça? Amen. Les femmes sont des bonnes aides. Des vrais partenaires. C'est pourquoi Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Une aide. D'autres versions parlent d'un assistant. Ce sont des vraies aides. Des vrais partenaires. Dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé mon service prophétique. Qui Amen. Connaît le prophète? Qui connaît le pasteur Yongi Cho? Yongi Cho. Même par les noms. Yongi Cho. Ah. Femme glorieuse. Vous avez des problèmes? Vous ne connaissez pas Yongi Cho? Le pasteur, c'est quoi? Coréen, non? Il avait la plus grande église. Il avait un million de fidèles. Un million. Par dimanche, il faisait combien de cultes? Je ne sais pas, 6 ou 7 cultes, quelque chose. Alléluia. Mais écoutez le secret. Cet homme a épousé une femme. Il servait Dieu. Le ministère n'évoluait pas. À un moment donné, c'est sa belle-mère qui réalise que le ministère de mon beau-fils n'évolue pas. La belle-mère a fait un trou. Elle a creusé. Elle a fait un puits. Elle a dit, j'entre. Je vais chercher Dieu. Jusqu'à ce qu'il exauce. Cette femme est entrée dans ses bouts. Elle a commencé à prier. Je ne sais pas moi, elle avait fait un jeûne de 40 ou 80 jours, je ne me rappelle plus. Mais elle a fait un long jeûne de prière. Quand elle a fini, elle est sortie. C'est le Yong Shu qu'on a connu Alléluia. Dans le monde. Alléluia. Amen. Non, si l'Esprit te parle, tu peux acclamer. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Parce qu'en fait, la femme, oui, c'est un véritable partenaire dans l'œuvre de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être dans cette église. Ça fait 8 mois. Une année, deux ans, trois ans. Donc toi, tu viens seulement. Tu t'assois. Tu pars. Tu n'as pas encore compris. Parce qu'à l'origine, la femme est d'abord une aide. Une aide. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La femme est d'abord une aide. Je lui ferai une aide semblable à lui. Même tel que vous êtes là. Pourquoi certaines parmi vous
vous avez des soucis, là j'avance, je ne me marie pas, là j'avance. Des fois ce n'est même pas pour mettre juste au monde. En vous il y a un besoin d'aider quelqu'un. Ça fait que j'ai besoin aussi d'avoir un homme que je vais aider pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir. Parce que ça c'est dans toute femme. Est-ce que je parle à l'église? C'est un don naturel que Dieu vous a donné. Est-ce que vous entendez? Maintenant, si vous prenez ces dons, vous les disposez à l'église. 3 mois, c'est beaucoup. Je répète, 3 mois, c'est beaucoup. Je répète encore, 3 mois, c'est beaucoup. Nous ne serons plus là où nous sommes. Maintenant, ton véritable ennemi, suis-moi. Il vient te distraire avec des soucis, des inquiétudes, trop de réflexions. Maintenant, tu es dans l'église, mais tu n'es plus une aide. Amen. Regarde ta voisine. Pose-lui la question. Que fais-tu dans l'église? Change encore. Dis-lui, que fais-tu dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? Pose-lui encore. Dis-lui, tu aides papa dans quoi? Dis-lui, tu aides papa là. Tu l'aides dans quoi, toi ici? Tu aides dans quoi? Toi-même, quand tu viens à l'église, tu vois un papier par terre. Tu es une femme. Tu refuses de ramasser. Tu dis, je ne suis pas protocole. Même quand tu entres aux toilettes là-bas, tu trouves ça sale. Tu sors. Tu dis, je ne suis pas protocole. Tu ne penses même pas dire, bon, j'ai senti des odeurs à la toilette. Je prends ces 10 dollars. Maman Cathy, tu es où? Prends ces 10 dollars. Achetez les soumamous. Donc notre église, les toilettes ne doivent pas sentir comme ça. Tu as l'argent en poche, mais ça ne te passe pas par la tête. Alors que la femme à l'origine, c'est d'abord une aide. Je parle aux hommes ou je parle aux femmes? Aux femmes. Je parle aux hommes ou je parle aux femmes? Aux femmes. Donc, vous devenez de plus en plus insensible. Donc, insensible. Au point où on ne vous reconnaît plus. Non, une femme, ce n'est pas comme ça. Une femme, c'est je dois être une aide. Je dois être un assistant. Je dois être un partenaire. Et cette grâce, Dieu la répand ce soir. Amen. Il y a des choses pour lesquelles vous ne prierez plus. Amen. Moi, je m'engagerai dans ça. Alléluia. Tata komi bonza pona yango. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu ne dois pas être là juste pour remplir les chaises. Tu ne dois pas être là juste quand tu as des problèmes. Quand tu as des combats, des problèmes, là tu te rappelles que l'église existe. Papa. Non. J'ai besoin de me rassurer aussi, écoutez-moi. Par ta manière d'être dans l'église, je peux me faire l'idée de quelle épouse tu seras si on t'épouse. Je peux me faire déjà l'idée. Elle là, si on l'épouse, ça sera bon. L'autre là, Seigneur, garde-la encore un peu. Rien que quand je te vois comment tu es dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église, des femmes, mais avec l'esprit à canaille. Donc mon cap pia aïe. Ah je le cap pia ali moi. Alléluia. Après pia à réapparaître. Alléluia. Alléluia. Oh nalibala Zambe. Bomba yena mka. Une femme, moi, c'est un partenaire. Azali mosungi na musala. Cette femme a fait beaucoup. Moi si on a sali mingi. Dans cette église, dans ma vie, j'ai dit beaucoup.
pas parce qu'elle a beaucoup. Exacte pas ça dans mingi. Mais elle a juste un autre cœur. Azaka na motema mususu. Et un moment, elle passait des périodes très difficiles. J'ai déjà commencé la prière. C'était ici. Un jeudi avant midi. Karine, tu te rappelles? C'était un jeudi avant midi. J'ai prié pour elle. Il y a des choses, quand tu es vraiment partenaire, toi tu vas plus prier pour ça. Moi j'ai une manière que je vais prier pour ça. J'ai dit à Dieu non. J'ai en mémoire ce que cette femme a fait. Elle ne peut pas manquer du travail. Elle ne peut pas commencer à manquer le carburant. Elle ne peut pas commencer à manquer de la nourriture. J'ai dit Seigneur non. C'était ici. Un jeudi. Nous avons prié. Je ne pense pas qu'un mois est passé. Un mois, elle est quittée. Elle n'est pas là où elle était. Azali bisika zala quittée. Amen. Amen. Et église retenez. Et ton ato kanga yango. Dieu n'élèvera pas trois femmes dans cette église. Zambe akotongo la basi misatu na etonga oyote. Sans que son nom ne soit dedans. Ce qui comme on a etanga mité. Que tu l'aimes ou pas. Que tu l'acceptes ou pas. Je sais ce que je te dis de la part de Dieu. Alléluia. Et je commence avec elle ce soir afin qu'elle soit un signe pour la plupart des femmes enseignées. Si aujourd'hui tu te décides à être partenaire dans l'œuvre de Dieu, tu pries pour l'église, tu apportes ce que tu as dans l'église, tu es là pour l'église, c'est ça la femme. C'est pas une indifférence. À un moment, je me dis, mais ça sont des femmes ou ce sont des hommes? Insensible. Une femme est capable même dans l'argent de la provision. Elle enlève une partie, elle dit ça, que ça aille dans l'œuvre de Dieu. Mais ces femmes sont rares dans cette église. Toutes ces ma vie d'abord, ma maison, ma vie, ma maison. Très rare. Lève-toi, laissez-la jeune. Ma kubreteka. Alléluia. Zimbo bobo bobo. Amen. Voilà ce que je vois sur toi, Marie-Jo, ce soir. Ça me surprend ce que j'ai vu. Je vais quand même le dire au micro. Parce qu'il faut que je le dise. Alors que l'Esprit de Dieu m'a amené vers toi, j'ai vu. Ça m'a surpris ce que j'ai vu. Aujourd'hui, Dieu me dit, il ne règle pas, ce n'est pas une affaire d'argent qu'il règle dans ta vie. Mais le Seigneur me dit, aujourd'hui, il fixe ta vie sentimentale. Alléluia. Amen. Amen. J'ai vu une robe blanche descendre sur Marie-Jo ce soir. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Le mariage qui était vendu. J'ai dit bien le mariage qui était vendu. Ce soir, le Dieu des alliances est en train de racheter cela. Il rachète cela. Il rachète cela. Il rachète cela. Il rachète cela. Et il te les retourne au nom puissant de Jésus. Qui a dit que tu allais traverser jusqu'à dans ta ménopause sans vivre la gloire de Dieu? Je lève ma voix comme un oint de Dieu. Je décrète et je déclare. Dieu vient de te donner la victoire. Tu viens de recevoir 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 la victoire. Pendant que tu bats tes mains, déclare au nom de Jésus. Réveille-toi, déclare au nom de Jésus. Pendant que je prie, en battant mes mains, je décrète et déclare. Satan, fais-le bien, Satan. Fais-le bien, Satan. Tu as échoué. Tu échoueras encore contre ma vie. Je ne suis pas ta cible. Je
Et même si je suis ta cible, tu as déjà échoué. Tu échoueras toujours. Bat tes mains, commence à battre et prier. Et la beauté. Oh, j'ai vu la robe redescendre, Marie-Jo. J'ai vu la robe redescendre. J'ai vu la robe redescendre. Qui prie? Quelle femme prie? I God, I God, I God, I God, I God, I God. Gelagando, gelagando. Otalei, otalei, otalei. 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 J'ai vu la robe revenir. J'ai vu la robe revenir. J'ai vu la robe descendre. J'ai pas besoin de femmes qui prient comme si elles étaient déjà arrivées. Je n'ai pas besoin de femmes qui, quand il faut prier, tu somnoles. Mais quand la prière finit, tu n'as plus sommeil. Non, c'est pas normal. Yeah. Yeah. Ah, 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 ya 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 ya. Ça c'est d'abord des prières générales que nous faisons. On va entrer bientôt dans les prières spécifiques. Ya 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 ya. Dodo. J'ai dit ton ennemi c'est le diable. Tu es la cible du diable. Femme, prie. Dis-lui tu as échoué, tu échoueras encore. Comment? Dis-lui Satan, moi là tu as échoué. La Bible dit je mettrai inimitié entre toi et Satan. Donc pour Satan, la femme est son ennemi. Pour Satan, la femme est sa cible. C'est pourquoi tu es victime de beaucoup de maux, des douleurs, des combats, des afflictions, des réalités que tu ne comprends pas. Yenenando. 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 Diala, diane, diane, diane. Il reste une minute sur cette prière. Il reste une minute. Si tu as été éliminé, tu vas bien prier. Dis-lui, Satan, tu as échoué. Tu ne m'imposeras pas des fardeaux lourds. Tu ne m'imposeras pas des afflictions. Tu ne m'imposeras pas des maux. Tu ne m'imposeras pas des choses anormales. Tu ne m'imposeras pas des maladies bizarres. Oh, la Bible dit, je mettrai inimitié entre Satan et la femme. Pour le diable, le premier ennemi, c'est la femme.
La personne à abattre, c'est la femme. Jesus. Regarde, femme. À part ceux qui sont à genoux, restons tous debout. Pendant que nous prions, le Seigneur m'a dit, il y aura beaucoup de témoignages dans la suite de l'éternité. Prends trois domaines de ta vie. Trois aspects de ta vie. Où tu as vraiment réalisé que le diable te combat tellement. Trois. Je parle de combien? De trois domaines. Tu vas prier pour ces domaines. Tu vas dire au diable aujourd'hui, tel domaine va-t'en. Tel domaine va-t'en. Tel aspect va-t'en. Maman Béa, ce que je sais, Dieu m'a dit, il y aura beaucoup de témoignages dans la suite de temps. Cible trois domaines importants. Trois aspects importants. Trois points importants de ta vie. Je parle de trois. Parce que tu ne vas pas les oublier. Et tu verras que Dieu ne nous avait pas convoqués en vain. Je parle de combien? De trois. Tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Prie en battant tes mains. Prie en marchant. Jusqu'à ce que je te demande d'arrêter. Parce que tes problèmes ne sont pas les problèmes de ton voisin. Et je ne veux pas que tu pries comme ta voisine. Je ne veux pas que tu pries comme ta voisine. Je vous ai donné le témoignage de Nancy, la femme de leader Marcelo, pour juste nourrir votre foi. Nous avons prié hier. Aujourd'hui, elle a accouché. Ça veut dire que Dieu est ici. Tout ce qu'on fait ici n'est pas du spectacle. Amen. Tu es prêt à prier? Lève d'abord tes deux mains. Ferme tes yeux. Lève tes mains. Que mes yeux ne voient pas tes yeux. Lève encore bien tes mains. Crie après moi, ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. Deuxième fois plus que ton voisin. Ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. La troisième fois plus que ton voisin. Ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. Couvre vraiment ton cœur. Ne viens pas à l'église avec un cœur fermé. Un cœur observateur. Déclare encore, ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Change ma vie ce soir. Change ma vie ce soir. Change l'histoire de ma vie ce soir. Change l'histoire de ma vie ce soir. La dernière fois, crie, ô Dieu des alliances. Ô Dieu des alliances. Ce soir, change ma vie. Change ma vie. Cible ces trois domaines. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Debout à genoux, en marchant, en battant tes mains. Là où tu sens que tu dois chasser les démons, chasse. Là où tu sens que tu dois récupérer, récupère. C'est, je te donne le moment de faire toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières par rapport à ces trois domaines. Je compte de 1 jusqu'à 3 et tu commences à prier. 1, 2 et 3, commence à prier. Alléluia.
Come on. Oh oh. Jusqu'à ce que je t'arrête. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Trois points, trois points. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Nazo bele la yo. Moya nolie. 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 Nazo bele la yo. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. Moya nolie. La femme de la maladie du sang, elle a touché au pan de la robe. Toi, tu touches quoi ce soir chez Jésus? Qu'est-ce que toi tu fais ce soir? Elle, elle a touché le pan de la robe. Toi, tu fais quoi? Toi, tu peux parler, tu peux pleurer, tu peux t'agenouiller, tu peux marcher, tu peux battre tes mains, tu peux crier. Tu es libre.
Il restaure même la force dans la prière. Pendant que tu pries, il restaure même la force dans la prière. Les femmes glorieuses sont des femmes de prière. Oh, oh, oh. Il reste quelques minutes avant qu'on arrête. Pas de prière cosmétique. Trois domaines où tu vas témoigner, prie. Yeah, 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 yeah. Il voit tes larmes. Il essuie tes larmes. Tu es la fille cadette de Dieu. Tu es la dernière créature de Dieu. Osamwa na suka nzambe. Et Dieu, comme les humains sont sensibles à l'air cadet, à l'air cadette, Dieu est sensible à la prière de la femme. Mets-toi dans ta position de la fille cadette. Mitcha na position ya moi na suka ya nzambe. Il entend, il écoute. Trois domaines, trois points, trois sujets. Après ici, ça sera les témoignages. Hey, 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 hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey. Era no renaga. Iazane na diana. Ravina na na yagerena, karuva sa de daniga, iarane ni ano enana niya, iarana na, iarana na 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 na, werano, 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 ibrane vina no ne vene ne ne na, ravina ne yenda ruva. Ravino ravena ne, yano ni ano re ni va, kabra ni vando nazania, yenda yenda yenda, yenda yenda yenda, yevada mono no vando dia, ile vando re na vando, kaviamo, we vira ni va zore vania, ravina ne vando esha ni va. Il reste une minute. J'ai vu en vision, il reste une minute pour la prière. Quel est l'andoliane? Yanonade. Yanonade. Yanonanana. Yanonanana. Yano na na na, yane yano. Lumière du monde, roi de la terre. Kabara na na dodo, yemane abandano, yavira na bando. Il voit tes larmes, il essuie tes larmes. S'il est Dieu. Des esprits, des prophètes nous touchent, nous entendrons et nous verrons autrement. Ikraine Ata. S'il est Dieu, des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai. Moi je verrai comme jamais. Werbatawe, werbatawe, werbatawerya, werio, 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 werio.
Il est un Dieu qui exauce. Il entend tes prières, il suit tes larmes, il te décharge, il agit, il agira, il te soutient, il t'affranchit, il te stabilise, il change ton cœur, ton système de pensée, il change ton comportement, il change ton caractère, il t'exauce infiniment au-delà. Certains poids restent dans la présence de Dieu. Plusieurs problèmes, plusieurs combats restent dans la présence de Dieu. Tu as bien fait. Ne prie pas, ne suis pas ta voisine. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas la même histoire. Que toutes les femmes dans cette salle qui ont l'appel au ministère, l'appel à la parole, l'appel au prophétique, l'appel aux guérisons, là où elles sont, que les aigles que j'ai vus se déployer dans la salle viennent vers vous. Je compte de 1 jusqu'à 7. Le Dieu qui a touché, Maman Daniela vous touche. Je compte, je compte, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parti. La main de Dieu touche toutes ces personnes. La main de Dieu vous touche. Vous êtes appelés à prêcher, à prophétiser. La main de Dieu vous touche. Ça devient fort. Ça devient fort. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, ce sont les anges qui vont accompagner ces femmes dans leur ministère. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Même Madame Lobo, je vois la grâce sur elle. Partout là-bas, je libère la grâce. Je libère les femmes prophétesses, les femmes prédicatrices. Recevez, femmes prédicatrices, femmes prophétesses. Recevez, 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 recevez. Que les dons s'ouvrent, que la parole de connaissance s'ouvre, que la prophétie s'ouvre, que la prédication s'ouvre, que la prédication s'ouvre. Recevez la grâce. Et recevez cela. Les anges de votre appel sont là. 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 Les derniers candidats, le Seigneur les récupère. Même si tu es assis, les anges de ton appel viennent vers toi. Reçois, 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 reçois. Soyez des femmes puissantes. Soyez des femmes puissantes. Soyez des femmes puissantes. Des femmes puissantes. En parole, en puissance. Des prophétesses de Dieu. Une armée des messagères. Une armée des prophétesses. S'élève en ces lieux. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour oindre les femmes qui sont appelées à servir Dieu, à prêcher, à prophétiser, à prier pour les malades, à prier pour les captifs. Ici, recevez la grâce. 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 Tu prieras autrement. Tu entendras la voix de Dieu autrement. Tu prêcheras autrement. Tu délivreras les gens autrement. Tu guériras les gens autrement. Je n'étais pas venu pour m'amuser. Dieu ne nous avait pas convoqués en vain. Tout ce que Dieu a mis en toi est en train d'exploser maintenant. C'est ma dernière prière. Tout ce que Dieu a mis en toi est réactivé maintenant. La femme est combattue à cause de ce qu'elle possède. C'est à cause de ce qui est en toi que le diable te combat. Maintenant, j'active cela. 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 Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu es venu pour une mission. Tu es venu pour un but. Que les femmes s'élèvent. Les femmes puissantes. Les messagères de la bonne nouvelle, les femmes prophétiques, qu'elles s'élèvent dans cette église. Les femmes éveillées et réveillées en prière, des puissants partenaires, qu'elles s'élèvent dans cette église.
l'opraso vadiga. Sa providia que ça ne s'arrêtera pas qu'à se marier, ça ne s'arrêtera pas qu'à avoir un travail, ça ne s'arrêtera pas qu'à mettre au monde. Mais Dieu t'appelle à les servir. Femme, je suis venu pour t'impacter. Reçois l'onction de ta destinée. Reçois l'onction de ton appel. Reçois l'onction de ta destinée. Là où il y a Vanessa là-bas, il y a un mouvement de l'esprit. Reçois l'onction de ta destinée. Reçois l'onction de ta destinée. Reçois l'onction de ton appel. Soyez des clés de croissance de l'église. Soyez des clés de croissance de l'église. Que les maladies quittent vos corps. Que la malédiction soit brisée. Que les œuvres des ténèbres échouent. Que tous les plans de l'ennemi échouent contre vous. Soyez puissantes femmes. Soyez réveillées. Soyez éveillées. Soyez bénies. Prospérez. Allez de l'avant. Impactez. Influencez. Accomplissez de grandes choses. Soyez de bonnes épouses pour vos maris. Soyez de bonnes mères pour vos enfants. Soyez une bénédiction pour cette église, pour cette nation. Welvarade. Tu descends après ce culte, tu es une autre personne. Tu es une autre personne. Ce qui est en toi vient d'être activé. Ce que Dieu t'a donné vient d'être activé. Aucun sorcier ne le détruira. Aucun esprit impur ne l'étouffera. Aucun plaisir de ce monde ne l'étouffera. Aucun plan de ténèbres ne l'étouffera. Soyez enflammés. Soyez enflammés, soyez enflammés, soyez enflammés. Ayez banakos ensemble, soyez enflammés. Que Shabagaba et tout le qui mange et il obirete, il payera kopopoto, mi pure kopobi, be puru mi pora paya, et tonia botekerema, sopria itefiraka, malie et toshatata, zoteya kaprata. Une nouvelle vie entre dans ton esprit, un nouvel esprit dans ton âme, un nouvel esprit dans ton corps, un nouvel esprit dans ton corps. Chère femme, reçois un nouvel esprit, reçois une nouvelle vie, reçois une nouvelle force, reçois une nouvelle vie. Sois spirituel, sois une aide dans cette église, sois un partenaire dans cette église, sois une influenceuse dans cette église, sois une bénédiction dans cette église. Que les plaisirs de ce monde ne puissent pas te distraire. Que les soucis de la vie ne puissent pas t'empêcher de servir Dieu. Je libère les vents du réveil. Chez les femmes glorieuses, les vents du réveil. Chez les femmes glorieuses, les vents du réveil. Chez les femmes glorieuses, les vents du réveil. Je libère les vents du réveil. Les vents de la prière et de l'intercession. Les vents de la sainteté. Les vents du travail. Les vents de servir Dieu. Wala wala waze wele wandoa kuvia mochaneze iwe kufava yona kavuza mino vende kejekete akaima ya makuze mina bakuna jagude iremo yerio werimonia rabizatana taraza tu resito resito ideya de eriano siano ma souveria nanuma pra rezone la bana chasta fasta 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 mano e kadaba yadaga yele no yesanana yele no yesanana yena no e yena no e yena no e yena no e yena no e. Je sens le feu du réveil. Je sens le feu du réveil. Oh, je sens le feu du réveil. Il y a même des femmes qui vont sortir de ces lieux ivres de l'esprit. Ivres de l'esprit. Il y en a qui vont sortir de ces lieux parlant en langue. Il y en a, c'est aujourd'hui. Et maintenant, tu vas prophétiser pour la première fois. Paix et cause à la makasi. Et cause à la malalimoso. Oh mon âme. Sakola, on l'oba de la part du Seigneur, Pego Zalamakashi, quiconque va te rencontrer femme après ce culte est béni. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est tes enfants, quiconque te rencontrera après ce culte sera béni. Les prophétiques est activé, la vie de prière est réactivée.
Les dons spirituels sont réactivés. La faveur est libérée. Le réveil des femmes en ces lieux. 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 Tu n'es pas qu'une épouse de quelqu'un. Tu n'es pas qu'une mère de tes enfants biologiques. Mais tu es aussi une servante de Dieu. Tu es aussi un instrument de Dieu. Dieu veut se servir de toi. Dis-lui, me voici.